Good morning, Aleiden Letus, aujourd'hui le Lunishmat, Rachamim ben Rosa, Chaya bat Tova, ainsi que leur fois, Raphaël, Zevulun ben Chaya Valia, Miriam bat Chassidut, Dov ben Yudi, Sarah bat Métir, Rivka bat Tor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude du Mishnah, contactez la 5e minute éternelle. Nous étudions Masechet Bechorot, Perigimen, Mishnah Lef. Alokeach behema min nochri, ve'en yadua im bikra, ve'im lo bikra. Rabbi Ishmael Omer, Esbat Shnata, vadai la Kohen, mikan ve'elach safek. Rachel bat Shtaim, vadai la Kohen, mikan ve'elach safek. Para vachamor bnot shalosh, vadai la Kohen, mikan ve'elach safek. אמר לו רבי עקיבא, אילו בוולד בלבד בהמה נפטרת, היה כדבריך. אלא אמרו, סימן הוולד בבהמה דקה, צילוף, ובגסה שיליה, ובאישה שפיר ושיליה. זה הכלל, כל שידוע שביקרה, אין כאן לכהן כלום, וכל שלא ביקרה, הרי זה לכהן, ועם ספק יאכל במומו לבעלים. רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה ששפעה חררת דם, הרי זאת תיקבר ונפטרה מן הבכורה. On traduit tout de suite, הלוקח בהמה מן הנוכרי. Quelqu'un qui achète un animal, une vache, d'un goy. ואין ידוע אם ביקרה, ואם לא ביקרה. Et il ne sait pas, est-ce que la vache a déjà mis bas ou non. C'est-à-dire, j'ai acheté une vache d'un goy, et maintenant, si cette vache n'a jamais mis bas, eh bien, si toutefois elle va mettre bas d'un veau mâle, j'aurai la mitzvah de Bechor. Il y aurait une kedusha de Bechor, je devrais en faire un korban, l'apporter au Kohanim. Et si toutefois elle a déjà mis bas une fois dans sa vie, eh bien, le nouvel animal qui va naître ne sera pas un Bechor. Donc, permis à la consommation. Dans le doute, qu'est-ce que je fais? Comment je suppose? Quelles sont les suppositions? Comment considérer la situation? Alors, Rabbi Ishmael enseigne. Es bachnata vadai la kohen. Si tu peux t'assurer d'une chose, c'est que tu as pris une chèvre qui est dans sa première année. Elle n'a pas encore passé ses un an. Eh bien, dans ce cas-là, vadai la kohen. C'est sûr que l'animal qu'elle mettra bas, si c'est un mâle, eh bien, ce sera un bechor. Par contre, si c'est mikan veilar, par contre, si c'est au-delà d'un an, eh bien, Rachel. Mikan ve'elach, ça fait qu'au-delà, ça va être un doute. Rachel, cette fois-ci, on ne parle plus d'une chèvre, mais on parle d'une brebis, de la famille des moutons. Batchtaim, il faudra attendre 2 ans. Batchtaim, vadaï la Kohen, Mikan ve'elach, ça fait jusqu'à 2 ans, c'est sûr que ça appartiendra au Kohen. Et après cela, eh bien, ce sera un doute. Et para vachamor, si c'est une vache ou un âne, eh bien, ou une ânesse plutôt, eh bien, bnot shalosh vadaï la Kohen. Tant qu'elles n'ont pas encore atteint les 3 ans, alors l'animal qui naîtra sera certainement un Bechor qui doit revenir au Kohen. Par contre, Mikan Veilach, ça fait qu'au-delà des 3 ans, eh bien on aura un doute. Situation très simple. Je prends une vache, je ne sais pas si elle a mis bas ou non. Si elle a déjà mis bas d'un mâle, eh bien il s'avère que le nouveau Bechor, le nouvel animal mâle qui va naître ne sera pas Bechor, et si toutefois elle a jamais mis bas, ben, le mâle qui naîtra sera un Bechor, que je devrais en faire un korban, ou donner au Kohen s'il a un défaut, ou bien même si c'est un Peter Chamor, je devrais faire le rituel qu'on a appris au premier chapitre, de le racheter sur un mouton. D'accord? Donc, sur ça, chaque animal, chaque espèce d'animal, il a, autant qu'une jeune fille ne peut pas accoucher avant les 12 ans, comme c'est écrit dans la Gemara, avant même les 12 ans et demi, et bien, au même titre aussi, chez les animaux, ça prend soit 1 an pour les chèvres, 2 ans pour les moutons et 3 ans pour les bovins, les vaches et le chamor, l'âne. D'accord? Donc, dans cette période, jusqu'à cette date-là, pour chacun, chaque espèce respective, eh bien, l'animal sera certainement béchor, le deuxième, parce que c'est sûr qu'elle n'a pas mis bas. Au-delà, on aura un doute. Donc, dans le doute, on apprendra dans la fin de la Mishnah comment faire. Sur ça, rétorque Rabbi Akiva. אמר לו רבי עקיבא, לא רטורקי רבי עקיבא, הרבי ישמעאל, אילו בוולד בלבד בהמה נפטרת, היה כדבריך. Si la halakha a fixé que l'animal qui naîtra après un véritable veau, ou petit, enfin bref, il faut nécessairement qu'elle ait mis bas d'abord d'un animal intégral, entier, parfait, alors haya kidvarecha. La halakha aurait été fixée comme tes paroles, tu aurais raison.
Et là, cependant, ils ont dit, Chachamim, que c'est pas vrai. Ce n'est pas, on ne définit pas une première naissance ratée selon le fait, est-ce qu'il y a eu un animal entier qui est né. Plutôt, et là, mais Chachamim ont dit, Siman avalad babema, un signe qu'il y a une naissance d'un valade, d'un vrai embryon, d'une vraie naissance d'un vrai veau, ou d'un vrai petit, bébé madaka, si dans les bébés madaka, dans les menus bétail, les ovins, tinouf, il suffit qu'il y ait même une saleté rouge, énorme, grosse, un petit morceau rouge qui va lui sortir. Boubagassa, et si c'est les bovins, donc le gros bétail, alors il faudra une chilia, il faudra un placenta. Ou beisha, et si c'est pour une femme, il faudra shafir veshilia, il faudra à la fois un placenta, et en plus de ça, dans ce placenta, de trouver un shafir qui est une sorte de morceau qu'on va expliquer tout de suite après. D'abord, je préfère faire un petit peu le point de ce qu'il nous dira bien qu'il va. On a dit, le deuxième animal qui va naître, après qu'il y en ait eu un, alors le deuxième, il sera plus bechor, il sera plus un aîné, c'est normal, il y en a eu un avant lui. Mais, à partir de quand je considère que le deuxième est une deuxième naissance, une deuxième couche? Rabbi Akiva vient lui dire, s'il fallait effectivement qu'il y ait eu un vrai animal sur pied qui va naître, tu aurais raison. Tu as donné des bonnes dates, tu as bien défini chaque espèce, à partir de quand on commence concrètement à mettre bas ou non. Le problème est que il y a parfois des fausses couches. Et une fausse couche, alors chaque espèce elle est capable de faire une fausse couche avant sa date prévue. Soit la famille des chèvres, elle peut le faire avant un an. La famille des moutons, elle peut le faire avant les 2 ans. Et la famille des bovins, pareil, Hamor, des vaches et des moutons, aussi, et des ânes, sont aussi capables d'avoir quand même déjà de la deuxième année, ou peu importe, même de la première, je ne sais pas, eh bien, elles sont capables d'avoir un morceau, un corps un peu épais qui va lui sortir, et qu'en fait, il faut savoir qu'en réalité, c'est un embryon dégénéré. Et dans ce cas-là, ça s'appelle qu'elle a déjà manqué elle a déjà eu une première couche, même manquée, qu'elle a finalement accouché, elle a finalement mis bas. Et de ce fait, le deuxième qui viendra, eh bien, ne sera plus bechor. Quels sont ces signes, ces corps étrangers, à partir de quand je considère qu'il y a probablement, éventuellement, eu une naissance? Alors, il y a chaque espèce, elle a son espèce, justement. Eh bien, il y a dans les bémadaka, dans les menus bétail, donc les ovins, il y a dans les vaches, dans les moutons et dans les chèvres, si toutefois elle a eu un tinouf, c'est qu'elle a eu un morceau, tinouf, c'est-à-dire une saleté, c'est-à-dire un gros morceau épais, qui est venu, et que, alors Rashi nous précise que les bergers sont professionnels pour regarder ce corps étranger, et voir est-ce que ça a été fécondé ou non. Et si ça a été fécondé, et donc ça a commencé à prendre, et puis finalement elle a fait une fausse couche, eh bien, ça y est, elle sera dispensée de la béchora du nouveau-né, donc de la fin du nouveau-né, lorsqu'il y a le deuxième. Donc ça, c'est pour les menus bétail, c'est le tinouf, c'est la grosse saleté. Ou bagassa, et pour le gros bétail, eh bien là, il faudra une chilia. Si toutefois il y a eu un morceau qui est sorti, que ça ressemble à une chilia, c'est le placenta, ou le fœtus, grandit, c'est sa paroi dans laquelle il vit dedans. Et bien, s'il y a une chilia, alors, donc il y a eu un placenta, il faudra se soucier que peut-être cette chilia était emplie, il y avait dedans un fœtus que tu ne vois pas, qui a des vergondés, qui s'est dissous, ça peut s'évoquer comme ça dans la Gemara. Mais en tout cas, dès qu'il va y avoir une chilia, donc un placenta qui va sortir, on va soupçonner qu'elle a peut-être été, probablement, elle a déjà mis bas, et de ce fait, le deuxième qui viendra ne pourra plus être un bechor ou vadaï. Il ne sera plus un vrai bechor. Maintenant, ou beisha, et pour une femme, shafir veshilia. S'il y a eu cette fois-ci une shilia avec un shafir. Shilia, c'est le placenta qui est sorti. On a eu une femme que... D'accord, vous imaginez bien, un placenta dans les premières semaines, je ne sais pas, dans les 2 premiers mois, eh bien, c'est un petit morceau dont on ne distingue pas grand-chose. Il y en a justement scène que si toutefois tu vas avoir un placenta où il y aura dedans un shafir, alors un shafir, il y a plusieurs interprétations dans le Bantanora, deux c'est soit un morceau de chair, tu sens que c'est un bout de chair, soit c'est un morceau de chair qui a une certaine forme d'homme, où tu peux déjà distinguer une tête et il y a un pseudo-corps. Alors dans ce cas-là, si tu verras qu'il y a dans cette chilia, donc qu'il y a eu, il y avait le shafir, donc ce petit cadavre, et bien dans ce cas, ça s'appelle qu'il y a eu une première naissance, et le deuxième qui viendra ne sera plus Bechor.
Et ensuite, la Mishnah conclut en nous donnant la généralité. Zakhlal, telle est la généralité. Kol sheyadua shebikra, toute situation où tu sais qu'elle a eu, que la mère a, sans aucun doute, mis bar. Alors, dans ce cas-là, elle kanna kohen klum, bien évidemment, il n'y aura rien qui reviendra au kohen. Le deuxième sera un animal profane totalement. C'est normal, il y a eu un vrai bechor qui est déjeuné, quand on achète des goïms. Bechor shelo bikra, mais tout animal qui n'a jamais encore, jamais mis bar, à Rizal à Kohen, là il faudra certainement le donner au Kohen. Et im safek, et si toutefois il y a un doute, c'est-à-dire que tu ne sais pas est-ce que le petit qui est né, est-ce que c'est un premier-né ou non, parce que peut-être qu'il y a eu une première couche auparavant, même qui a dégénéré, eh bien, il y a chel bemoumo le balim. Dans ce cas-là, la règle nous dit, comme on a déjà évoqué plusieurs fois, que dans le doute, tu devras le laisser paître jusqu'à ce qu'il va avoir un défaut. Et lorsqu'il aura un défaut qui ne pourra plus monter sur le misbar, tu auras le droit de le consommer, parce que dans le doute, tu n'auras pas besoin de le donner à Kohen. Maintenant, fin de la Mishnah. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Behema Gassa Sheshaf Acharat Dam, Arizo Tikaver. Rabbi Eliezer ben Yaakov nous enseigne comme ça. S'il y a eu un gros bétail, Sheshaf Acharat Dam, qui s'est mis à s'écouler d'elle un morceau de sang. Un sang coagulé, un gros morceau bizarre. D'accord, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent même chez les femmes à notre époque, où des fois ça peut être des cellules dévergondées, des fois ça peut être dégénéré, ça peut être des... d'accord, c'est des choses qui peuvent arriver. Et bien donc, s'il y a eu, on avait dans la mesure, initialement dans la Mishnah, au début on avait parlé pour une BMA Gassa, pour du gros bétail, on avait dit qu'il fallait nécessairement un placenta. Et bien, vient Rabbi Eliezer ben Yaakov, il nous dit non, c'est pas la peine d'un placenta, il faudra même qu'il y ait eu, même un chararat d'am, un morceau de sang coagulé, ça prend une allure dure, eh bien, à réseau Tikaver, ce suffira déjà pour que tu sois imposé de l'enterrer, au même titre que le Bechor qui est mort soudainement, comme on va expliquer tout de suite. Beniftera mina Bechoram, en tout cas, la mère sera de ce fait dispensée ensuite de donner la misa de son futur mâle, de le donner au Bechor, parce qu'il y aura déjà une naissance. On explique un petit peu mieux. On avait, dans la Mishnah, donc on avait dit, il y avait pour le menu bétail, au début, le premier avis de la Mishnah disait que pour le menu bétail, il fallait un tinouf, une saleté, un certain morceau de sang. Tandis que pour le gros bétail, il fallait nécessairement une chilia, il fallait le placenta, où se trouve le bébé. Eh bien, la Mishnah maintenant enseigne que non. Rabbi Eliezer ben Yaakov enseigne que pour les Behema Gassa, pour les gros bétail, à partir du moment où même tu as eu un gros morceau de sang coagulé, un gros morceau un peu bizarre, eh bien là, donc, on va soupçonner qu'il y a peut-être un béchor de ce fait. Pour bien faire ça, on rentrer cela dans la tête des gens, on va lui imposer de Arezo Tikaver, il faudra l'enterrer. Au même titre que le béchor qui est mort soudainement et qu'il faut l'enterrer, eh bien, je te demande d'enterrer ce morceau de sang afin de faire savoir, de diffuser, que les gens vont voir que tu as enterré, pourquoi tu t'es mis enterré du sang. Ah, c'est que le sang, c'est en fait peut-être un béchor. Même si c'est un béchor qui n'est de toute façon pas kadosh, donc on pouvait le laisser le tuer en jetant la poubelle, même si vous voulez. Malgré tout, la Mishnah m'a imposé de l'enterrer afin de diffuser autour de moi, que les gens me voient enterré et réalisent que la prochaine fois, le mal qui naîtra de cette vache ne sera plus béchor. Et justement, parce que Niftera mina béchor, étant donné que ça peut être aussi une naissance qui a eu. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Aslach HaKol Tov. Salam.